Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, unboxing partenariat avec une boutique, une nouvelle boutique pour moi. Et j'ai toujours voulu tester cette boutique et je suis ravie que j'ai un partenariat avec eux. Déjà, je les remercie énormément. Et cette boutique, c'est Mary's Diamond. Donc oui, j'ai un partenariat avec eux et j'en suis très fière. J'ai commandé cette toile le 27 juin. Elle a été expédiée le 13 juillet et je l'ai reçue le 20 juillet. Donc ça a vraiment mis pas beaucoup de temps. Vraiment pas beaucoup de temps. Et donc, juste pour info, sur le site pour votre première commande, vous avez un code promo, c'est Extra Goodies, tout en majuscule. Et vous avez moins 15%. Et vous avez des goodies d'une valeur de 34,90$ d'offert. Donc ça, je tenais à vous le préciser. Et normalement, j'ai un lien d'affiliation avec cette boutique. Je vous mettrai tout en barre de description. Alors sachez que si vous cliquez sur ce lien, si je l'ai, hein, parce que à l'heure où je vous tourne la vidéo, je ne l'ai pas encore. Mais si vous voyez lien d'affiliation, si vous cliquez sur ce lien, vous allez directement sur le site. Et si vous passez une commande, je devrais toucher normalement une commission sur vos achats. Mais ça, je n'ai pas d'infos à l'heure où je vous tourne la vidéo, puisque ils m'ont dit qu'ils allaient me faire créer un lien d'affiliation, mais je ne l'ai pas encore. Donc je ne sais pas les modalités, mais normalement c'est comme ça. Donc si vous voulez me soutenir, tout l'argent que je récolterai de ce lien, évidemment, me servira à racheter des toiles de Mary's Diamond. Alors peut-être que c'est des points, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Peut-être que c'est des points, j'aurai des réductions pour acheter des toiles. Mais en tout cas, ça sera réinvesti, ne vous inquiétez pas. Donc c'est une boutique qui licencie les artistes, donc ça c'est très très important. Les diamants carrés sont en acrylique de très très haute qualité. Ce ne sont pas des diamants en résine, du moins ce que j'ai vu. J'espère ne pas être déçue. Voilà. De toute façon j'ai pris en carré. Voilà comment vous recevez. Donc c'est par Colissimo, ça vient par la poste, dans un petit carton. Et voilà le carton d'emballage. Il se présente comme ceci. Alors je suis sur ma terrasse, hein, il y a du bruit extérieur. Donc voilà comment ça se présente. Une boîte de chez Mary's Diamond. Donc vous avez la marque ici, elle est rose et bleu turquoise, bleu vert. Ici, c'est expliqué que comment se repérer sur la toile, mettre la cire, prendre les diamants et mettre sur la toile. Voilà, il n'y a pas l'image sur la boîte. Donc, il n'y a pas de petit film plastique par-dessus, mais ça, c'est pas grave. Hein. Avec l'écologie, on n'a pas besoin d'avoir un sur-emballage. Et donc, voilà comment ça se présente. Donc, j'ai un petit cadeau. Hop. Voilà, il n'y a plus rien dans la boîte. Vous entendez mon chat derrière. Alors avec, vous avez un petit autocollant avec répertorié ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, je m'aperçois que ce n'est pas ce que j'ai commandé. Peut-être qu'il ne l'avait plus en stock. Je vous mettrai en lien la toile que j'avais choisie à la base. Et là, ils m'en ont mis une autre. C'est pas mon style, mais les couleurs, j'avais adoré. Petite déception. Là je vois un petit cadeau. Donc ça fait partie des goodies que vous recevez lorsque vous passez votre première commande. Et je leur remercie. Merci, ils sont pas obligés de me l'offrir. Donc vous avez dû le voir pas mal de fois puisque je l'ai vu plusieurs fois sur YouTube. C'est un cœur comme ça avec un beau petit diamant. En fait, quand vous ouvrez le couvercle, c'est un plateau. À l'intérieur, vous en avez un deuxième. De l'autre côté, c'est également un plateau, voilà, avec les rainures, avec un rebord plus haut. Et en fait, vous en avez trois comme ça. Voilà,
c'est exactement les mêmes, mais plus petits. Voilà, et le troisième. Donc c'est super cool quand vous avez des confettis et que vous voulez, ou alors que vous voulez préparer plusieurs couleurs en même temps. Bah vous avez plusieurs plateaux. Et ça sert de bec verseur en fait. Le petit coin du cœur. Donc ça c'est super, j'en avais pas. Et bah ça tombe bien. Et en plus, c'est une couleur rose mauve. J'espère que vous verrez bien. C'est la lumière du jour. Alors c'est superbement bien présenté, donc, comme vous voyez. Avec un beau petit... comment ça s'appelle? Ruban, voilà. Un beau petit ruban à l'effigie de Mary's Diamond. Hop, tellement beau. Hop, donc du coup moi j'avais pris pas du tout ça. Donc je vous mettrai le lien de celui que j'avais choisi. C'était dans... Vous avez une collection artiste et vous avez une collection diverse. Et là, ce que je vois, c'est une collection standard. Mais ce sont quand même des images licenciées. Je vous mettrai le lien de cette toile si j'arrive à la retrouver, parce que forcément je ne vais pas avoir le lien direct, puisque celle-ci c'est pas moi qui l'ai choisie. Mais je leur remercie énormément, puisque quand même ils m'offrent la toile, donc je ne vais pas ronchonner. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Ah, vous allez avoir le reflet. Hop, voilà. Donc, je vais vous montrer. Alors, elle est en format paysage. C'est un paysage. Vous n'allez rien voir du tout. Je vais vous montrer sur la feuille de route. Il y a une feuille de route. Hop. Alors, je vais vous montrer l'image. Hop, voilà, c'est un beau paysage. Alors, vous savez que moi, je suis pas très paysage, mais là, il est juste sublime. Je pense que les couleurs, tout ça, je vais kiffer. Voilà. Donc, je suis désolée, vous n'allez pas pouvoir le voir en layout. Rien de du tout. Col coulé. Papier quand même assez épais. Je vais vous montrer les symboles. Hop, là, en passant, vous avez l'image ici également. Les symboles, comme vous pouvez voir, c'est vraiment top qualité. Ça colle du tonnerre. Donc diamant carré. Hein. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de symboles, mais ils sont tous différenciables. Hop. Alors on chasse l'air. Elle a 50 couleurs. Ah, je suis vraiment désolée. Et si vous devez voir là, vous devez quand même voir un petit peu des cascades là. Des cascades. Voilà. Hop. Oui, il y a des fleurs de cerisier de chaque côté. Et là, c'est une cascade là. Là, il y a une cascade avec des rochers. Et au fond, il y a les montagnes. 50 couleurs, c'est une 50 par 70. Voilà. La toile se nomme Sakura Blossom Landscape. Alors à la base, pour la petite anecdote, j'avais demandé la toile Sakura du dessin animé. Voilà, donc fait par une artiste. L'artiste c'était Anija Kakaran. Voilà, donc c'est pas grave, c'est Sakura aussi, mais c'est le paysage. alors la toile est une finition toute douce derrière. Dentelé, voilà. Au-dessus, vous avez la petite
ben la marque, voilà, Mary's Diamond. Ici, vous avez donc un rappel de l'image avec un tableau DMC à gauche, en haut à gauche et en bas à droite. En dessous, vous avez les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Donc, vous avez une feuille de route avec 50 couleurs. Là, il n'y a pas de diamant AB. Pour info, la Sakura, elle était avec 3 AB normalement. Voilà, donc là, c'est avec le petit logo Mary's Diamond. Voilà, donc le tableau très complet, 50 couleurs, donc les symboles, les DMC, la quantité de diamants qu'il vous faut pour réaliser la toile et le grammage des sachets. Avant, je vais vous montrer le toolkit. Je suis un peu dans le désordre, mais c'est pas grave, ça change comme ça, c'est... Comme quoi c'est spontané. Voilà, je prévois rien du tout. Donc ça va me permettre de faire un petit paysage. Et quand je vois les couleurs, c'est pas grave, c'est trop beau. Alors, ce toolkit a l'air pas mal. Vous savez, ça me fait penser à un toolkit de chez AZQSD. Alors, vous avez la barquette blanche. Ou Huacan peut-être, avec la barquette blanche qui n'a pas de bec verseur par contre. Elle est comme assez grande. Un stylet transparent pailleté avec un multiplisseur de 4. Un petit petite mousse bleue et un embout simple. Et vous avez un embout au moins de 10. Ouais, c'est ça. Deux gros pains de cire. Et la belle pince dorée. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que ça me fait penser à ZQSD. Parce que la pince, elle est pointue. Et c'est la pince dorée que j'adore. C'est celle que j'utilise en ce moment pour faire mes carrés. Donc c'est trop top. J'en aurai une de plus. C'est juste dommage que la barquette n'ait pas un bec verseur. Sinon, le toolkit, elle est vraiment parfait. Voilà, donc on va voir... les diamants, donc les diamants sont en des sachets zippés. Donc j'ai pris carré. Je pensais que c'était de la résine, mais en fait j'ai regardé sur plusieurs toiles à droite à gauche d'artistes. En fait c'est que des diamants en acrylique de très haute qualité. Ils disent que c'est de l'acrylique de très haute qualité, donc je vous montre. Donc dans un pot orangé. Là, j'ai un beau rouge bordeaux. J'ai du rose. Voilà, donc les endos sont piqués. Hein, donc, c'est bien de l'acrylique. Je verrai. Après, de toute façon, hein, comme je vous ai dit, moi, j'adore les carrés. Donc, j'adore toutes les poses. Surtout la pose avec la pince. Là, du 154. Hop. Là, j'ai du 939. J'ai un petit sachet de 939. Est-ce que j'ai du 310? J'ai pas de 310, mais j'ai ça de 939. Et autrement, j'ai du rose et du violet partout. J'ai un petit peu de jaune. Mais regardez-moi cette teinte de rose. Le rose. Je vous prends les roses. Regardez-moi cette teinte de rose. Alors celle qui aime le rose, franchement, teinte de rose. Il y a aussi également du violet. J'en ai autant. J'ai énormément de violet. J'ai du rose rouge. C'est pareil. J'en ai énormément. C'est franchement. Après, j'ai du orange. Moi qui adore
l'étoile multicolore. Il y a du orange et du jaune. Franchement, un petit peu déçue par rapport à... C'est pas celle que j'avais trop choisie. Mais des fois, c'est bien qu'ils choisissent eux. Comme ça, ben... Ça, je l'aurais pas forcément prise, mais regardez pour les couleurs, franchement. Ça va me réconcilier avec les paysages, j'ai envie de dire, du 154. Et là, j'ai des petites couleurs à droite, à gauche. Voilà. Donc, regardez-moi ce panel de couleurs, franchement, j'adore. Du coup, je peux pas vous dire le prix de cette toile, puisque moi, j'avais le prix de Sakura. Sakura de la personnage du dessin animé, donc Sakura du personnage de dessin animé, c'était à 58,68€. Donc pour un artiste licencié, 60€, c'est dans les prix, hein, c'est top. Celle-ci, c'est une collection standard, mais j'ai regardé, toutes les images de la collection standard sont également licenciées, donc ce ne sont pas des images volées. Je vous remontre l'image. Donc l'image est sous licence et c'est licencié, ne vous inquiétez pas. Donc là, je ne vous ai pas montré ce petit tableau. Ça redit que le titre de l'ouvrage, la collection standard, 50 couleurs, la taille et la référence de la toile. Voilà, donc j'espère que cet unboxing vous aura plu. Forcément, je vous ferai un retour dessus. Je pense la commencer bientôt, même si j'essaie de pas trop commencer 50 toiles en même temps. J'aimerais vous faire un retour assez rapidement et vu les couleurs, franchement, je vais me régaler. Ça serait bien que je la fasse en duo avec mon autre toile de Diamond Pet, enfin mon autre toile d'un autre partenariat là, qui est très très sombre, la Panthère. Voilà, petite allusion à ceux qui me suivent. Je pense que ça fera du bien de faire un peu de couleur comme ceci en parallèle avec la Panthère. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets tout ce que je peux dans la barre de description. Je vous mettrai quand même le code promo de votre première commande qui se trouve sur le site. Si j'ai mon lien d'affiliation, je vous le mettrai. Sinon, je vous le mettrai en différé. Il faudra revenir si vous voulez me donner un petit quelque chose en passant. Voilà. Merci à ceux qui le feront. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.